Et rebonjour tout le monde, donc on va continuer. Ah purée, ça a sauvé des captures d'écran, j'ai mis le raccourci au mauvais endroit. Donc on va continuer notre série, enfin notre aventure. Je sais pas encore quel nom je vais donner d'ailleurs. Il faudra que vous me disiez le nom à donner. Donc le challenge, donc l'aventure. Avec quelques petites règles. Donc si vous ne savez pas quelles sont les règles, je vous invite à regarder le début de la vidéo précédente. Bon, j'ai pas toutes les règles, j'ai pas dit toutes les règles, j'essaierai de les... Je les mettrai en commentaire, dans la description de la vidéo, je pense. Comme ça, vous saurez ce que c'est comme... Enfin, les règles que j'ai déjà énoncées. M'as-tu vu dire que c'est... approcher de la lunette. Oh, regardez vers l'île de Moon. Qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça me dit, ça? Oh, un bateau. Des Wabbits. Oh, c'est bien joli tout ça, ce Fokia. Et vers Astrub. Oh, l'atelier des bouchers. Ah, c'est beau ça, Astrub. C'est vraiment brutasse. C'est vraiment brutasse. Allez voir Galiléa. Bon. Je sais pas pourquoi, mais Galiléa, ça me fait énormément penser à Galilée. Je sais pas pourquoi. Après avoir regardé du ciel, depuis le ciel vers le bas. On va sûrement regarder dans le ciel, hein, n'est-ce pas? Oh, faut encore nous dire que la Terre elle est ronde, la bonne blague. Vous avez l'impression que ça c'est rond là, hein? Ça c'est rond, hein? On voit bien qu'il y a un bord et qu'au bout du bord on tombe. On tombe dans le néant, oui. Attendez. Et je parie que je me suis fait... Oh purée, il est hyper loin. Alors, Pipoc, faudra que je m'en fasse pour... Ah, il y a des orties là, j'aurais pu les ramasser, mais là il me faut surtout du frêne. Est-ce que... Bon. Oh, tu sais... Oh là là, je suis bête. Surtout que celui-là, je l'ai déjà regardé. Puis il n'y a pas de frêne. Pour ça, le bois, c'est le dèche. Bonjour Galiléa. J'ai pas fait gaffe au nom de l'autre, il s'appelait comment? M'as-tu vu? Ouais, bon, m'as-tu vu ça, d'accord. À l'île de Tomaï. Oh, on va peut-être voir le compte. Ah non, l'île de Tomaï, purée, pas l'île de Frios. Oh là là, je suis con. Là, c'était l'entrée du donjon Tinril. Là, des petits manceaux. Et vers Amakna, c'est l'entrée du canot jet d'eau. Très intéressant. Vue du ciel. Tournez voir Ternetna. Je vais faire une galette d'incarnam encore. Ah oui, la galette d'incarnam. Donc j'ai la recette ici. Il faut 10 épis de blé. Est-ce que j'ai ça? J'ai 10 épis de blé. Attendez, je vais mettre ça là. Non, je vais faire mieux. Je vais mettre les ressources de métier. Je vais les mettre là. Les ressources qu'on peut looter avec les métiers. Voilà. Donc alors, 10 épis de blé. Ça j'ai 4 mesures de poudre de perlimpinpin. Je sais pas, 4 œufs de tofu. De lait, 4 doses de cendre d'éternel et 4 doses de bave de 4 louches de bave de bouffetou. Alors, bave de bouffetou, je les ai. Les cendres éternelles, je les ai. Les poudres de perlimpinpin, je les ai. Et il manque 4 œufs de tofu et 1 litre de lait. Un œuf de tofu. Il faudra que je me fasse des tofu. Alors, ça c'est toujours. Gardien de l'orme. Purée, ils ont changé de nom. Avant c'était Idéfix. Ah, Regnator, il est toujours là. Regnator est toujours là, mais par contre le Idéfix, il a disparu. C'est triste. Il s'appelait Idéfix et il gardait les arbres. Attendez, c'est... C'était quand même... Voilà. Ah, un frein. Le fait que je gagne 5 bois dessus. Et j'en chope 2. Un frein là? Non. Ils sont tous coupés, mais... Ah là. Oh, il y en a même 2. Alors, j'en chope 3, bah, autant en prendre en rab. Hein. Donc, je dois crafter une planche agglomérée, une ferrite. Mais ça, c'est bûcheron et... Ça, c'est l'atelier des tailleurs, donc c'est pas celui qu'il me faut. Des sculpteurs. Ah, il y a l'atelier des bûcherons aussi à l'intérieur. Donc on va faire une
planche agglomérée. Sauvegarde en cours, ça ne dérange pas, sauf que ça fait bugger. Oh purée, il manque le fer. Il faut encore 16 fer. Ça va être tant d'axes. Je vais voir qui est là-bas. Alors, du fer, je vais déjà éliminer, du coup. J'ai pas noté le... Mon logiciel de capture me permet de vidéo ne me permet pas de voir le... Je me ferai des aminites. Oh purée, il y en a deux. Oh, il y en a trois toutes seules. Hop là. Comment ça, c'est loin. Oh, il réduit le dommage seulement à distance ou... Ok, il réduit le dommage de 7. Deux dommages. Oh, il se boost. Mais ça ne suffira pas. Trimbo. Alors, poudre d'aminite. Puis en plus. Ah non, c'est un objet de quête. Du coup, ça doit être loot automatique. Enfin, systématique plutôt. Viens par ici, ma petite aminite. Purée, il a 4 PM. Je suis pas l'idole pourtant. Sans les 4 PM, il va venir à mon caca. Hop là. Encore une poudre d'aminite. Et on fait notre dernier. On aura toutes nos poudres. Purée, il a 4 PM, il me chope de toute manière tour 1. Oh, en plus, il se met. Oh. Je suis même pas mal. Il fait mal quand même. Hein. Alors, je vais retourner voir vite fait dans cette galerie-là. Non. Si non plus. Purée, 16 fer, et c'est galère à trouver le fer. Purée, il y a un mec qui vient d'en miner. Emric Barb. Emric. Emric Barb. Bon, alors. Pas de fer. Ouais, c'est la salle là-bas où il y a le plus de fer. Donc, c'est là-bas où il y a le plus de chances que ça respawn. J'espère que le mec est pas allé là-bas. Genre, il y est et il a chopé un fer. Il y est, mais il a pas chopé de fer. Okay. Donc, on va s'asseoir un coup et on va regarder nos quêtes en attendant que ça sorte. Alors, nos quêtes, on a Espoir et Tragédie, on doit parler à un vieux de la vieille que je n'ai pas encore croisé, je dois aller voir Nina Chichi. Nina Ricci, merci. Désolé pour la pub, ramener à Marie Lorc 3 poudres d'aminite. Donc ça, c'est bon, je les aurai. Plus d'épée dans le ventre, 2 petits glouts, pic-bloc et grand splash, ça, pas de problème. Planche agglomérée, ferrite, retournez voir. Fabriquer une galette, donc pour ça, il me manque. Des œufs de tofu, t'es sérieux? Va sortir le rat de sa cachette. Ça, je sais pas comment je suis censé faire. J'ai pas eu des récompenses de quête genre des stuff ou... Non. Oh, le prix moyen, il est élevé. J'ai quoi compris moyen? 37 000 km déjà. Pas mal. Je crois que je vais remettre une pause et que je vais vous reprendre quand j'arriverai à trouver du fer. Parce que là, il n'y en a pas. Il n'y a pas de fer parce que c'est intéressant de... Oh purée, le mec il vient de partir. Vite, si ça respawn. Vite, hop là. Allez, je suis fini. Après, s'il voit les trucs plus vite que moi, c'est je me fais avoir, mais... Oh là là, ça respawn pas... Donc, je me demandais, genre, avec le folle d'aminite, qu'est-ce que je peux craft? Amulette de croquette. Ça donne de la chance, je m'en fous. De la gie, je m'en fous. Botte de clu, anneau de l'aventurier. Ah, intéressant, avec de la ferrite. Fleur de puissance diabolique. Ah, du coup, faut que je descende sur ce truc. Ouais, je descends sur ce truc pour pouvoir me crafter ça. Anneau de l'aventurier. Faudrait que je me crafte la panneau aventurier de toute façon. 5 force, 5 intel, 5 chance, 5 agit, 4 sécheresse. C'est un peu mieux que l'ancienne version. À peine un peu.
Bon, les levels ont été augmentés. Je me demande s'il y a... Est-ce que ça existe maintenant un item level 1? Enfin, des items... une panneau level 1. Les bottes de force. Est-ce que les nouvelles panneaux... Elles sont niveau 8-10. Ah, peut-être la panneau boon. Se craft avec quoi, la panneau boon? Alors la panneau boule, les incrustes. Ouais, c'est niveau 1. C'est la stuff, la seule panneau niveau. Elle existe toujours. Cette vieille panneau. Maintenant qu'on peut crafter. Ça, je trouve, c'est quand même un peu dommage. Bon, le fait qu'on puisse crafter tous les stuff, je trouve vraiment que c'est très bien. Par contre, le fait de pas pouvoir crafter... enfin, de pouvoir crafter la panneau boule... la panneau boon, c'est quand même un truc à part, quoi. C'est vraiment le stuff que t'avais sur un carnam et tout, voilà, enfin. Genre, la cape fulgurante, aucun problème. Enfin, c'est pas un truc que qu'on se dit, oh non, la cape fulgurante, on pouvait seulement la looter sur le maître Korbach à 0,01% de chance. Voilà, quoi. Ça, c'était un peu... D'ailleurs, je me demande si on peut encore le looter là-dessus. Maître Korbach. On peut plus looter les capes fulgurantes dessus. C'est bon ça. Allez, du fer. Ah, ça se met à respawn là. 6 fer, j'ai. Il m'en manque encore 14. Ah, 13. Enfin, 7, il m'en manque. J'ai miné la moitié de ce qu'il me fallait. Là, je refais vite fait un tour. Il n'y a pas là. On va peut-être dans la salle ici. Non, il n'y a pas. Ah, ça va être bon, je vais peut-être pas devoir vous lâcher en remplissant un petit peu, en parlant. En remplissant les blancs, en parlant de la mise à jour. Allez hop, voilà. En parlant de la mise à jour, ça... J'espère que ça vous saoulera pas trop que je parle de ça, que je me donne mon opinion. Par contre, ouais, quand y a eu le bug là avec les challenges, que les challenges avaient été nerf, oh purée. Sur le coup, ça m'a dégoûté. Parce que j'avais essayé genre de faire juste... Je m'étais fait défoncer en ben avec des petits... un score d'idole minuscule. Je me suis fait défoncer en deux fois en Tengu avec un score d'idole aussi minuscule. Enfin, c'est devenu vraiment improbable, quoi. C'était improbable. Je me disais, mais les challenges qui rapportaient 5%, pff, voilà. Mais bon, maintenant que c'est rétabli, ça va. J'aimerais bien trouver mon fer, par contre. Et oui, mais franchement, le système de métier, j'attendais ça. Oh purée, il y a un mec qui vient de sortir. La modification du système de métier, j'attendais ça. Et je suis vraiment content. Et il y a plein de gens qui sont pas contents, parce que maintenant, bah, vous pouvez voir... Les spots mineurs, les spots... tout est pourri, parce que les gens, ils... Dès qu'ils passent genre devant un frein, ils disent oh bah tiens, de toute façon je peux le ramasser, je le ramasse, ça me coûte rien. Mais voilà. Aussi, ce qui m'a bien amusé, c'est que sur mes personnages, sur Rickerel, donc eh bien j'ai un personnage grâce au nouveau métier. J'ai rassemblé un petit peu les métiers et je me retrouve à 20 000 pods. Bon là j'ai 19 999, mais je fais monter mes métiers petit à petit. Et là, en deux jours, j'ai gagné 200 pods grâce au métier. Et du coup, je me retrouve à 20 000 pods. Et franchement, ça, pour le PVM, c'est vraiment cool. Parce que ben, on peut faire plein de mobs et encaisser sur un seul perso sans aucun problème. Donc ça c'est quand même bien. Après, c'est mon avis, hein, mais... Ouais, mais les pods, en fait, ils montent assez vite au début. Allez, j'ai déjà 1119 pods, mes métiers sont pas... Ils sont pas au niveau du tout, niveau 3, niveau 2, niveau 2, j'ai gagné déjà 200 pods. 119 pods. C'est déjà colossal en fin de compte. J'ai gagné 10% de pods. Ouais, donc, j'aimerais bien trouver un petit filon de fer là. Parce que j'ai ma ferry, enfin j'ai mon... Bon, j'ai déjà tout à faire, un de deux trucs. Mais je vais pas en faire un seul sur les deux, ce serait pas très bon. Donc pour récapituler, tiens, tant que j'y suis, j'ai dit que je mettrai dans la description de la vidéo, je le ferai.
Mais en attendant, pour ceux qui n'ont pas encore vu de vidéo et qui ne savent pas quelles règles j'ai mis dans ce challenge, eh bien je vais vous faire un petit récapitulatif. Donc, personnellement, je me suis interdit les classes un petit peu cheatées, on va dire, comme Kra, Eka et Yop, donc les classes assez bourrins qui permettent de torcher les combats bas level très rapidement. Donc ça, je me suis interdit ça. C'est pour ça que j'ai fait un Xelor. De toute manière, je voulais faire un Xelor parce que j'aime cette classe et parce que, eh bien, ça a un lien avec le nom Gros Mol. Voilà. Un lien que je pourrais vous expliquer sûrement un jour. Sinon, donc, à part ça, la restriction de classe. Dans cette aventure, vous n'avez pas le droit d'acheter un item que vous n'avez pas encore crafté ou looté. D'acheter ou. Ouais, de l'acheter ou de se le faire donner. En fait, déjà, on n'a pas le droit de se faire donner des ressources ou des items. Tiens, il y a un défi. Donc, oui, pas le droit de se faire. D'acheter ou de. Enfin, pas le droit d'acheter un item qu'on n'a pas encore crafté au moins une fois. Crafté ou looté. Par contre, trouver quelque chose dans une poubelle revient à. Comme si vous aviez looté la chose. Bon, bien sûr, si vous jouez le jeu, vous n'allez pas vous amuser à mettre des items dedans avec. Enfin, demander à un pote de mettre les items dans la poubelle et de le prendre juste après. Parce que bah, ce serait inutile et ce serait pas dans la logique du challenge. Donc voilà, interdiction de looter, de se donner des ressources. Interdiction de se mettre full sagesse. Moi pour l'instant, j'ai monté aucune stat, mais je montrais la force. Mais seulement à partir du niveau 9, parce que pour l'instant, j'ai pas de métier. Donc voilà, on a tout notre fer déjà. Donc ça. Donc vous êtes obligé de. Oh purée. Vous êtes obligé de prendre toutes les quêtes que vous croisez. Toutes les prendre. Vous n'êtes pas obligé de les faire le plus vite possible, vous pouvez les faire quand vous voulez. Par contre, les quêtes d'Incarnam, vous êtes obligé de toutes les faire avant de partir d'Incarnam. Sinon, c'est pas très intéressant, hein. Parce que les quêtes d'Incarnam, clairement, ceux qui les font pas directement, ils se barrent et c'est fini. Mineur niveau 3. Voilà, je sais pas si j'ai oublié une règle, de dire une règle. De toute façon, j'écrirai tout bien dans la description de la vidéo. Alors, quête mise à jour, la hache et la pioche. On va faire maintenant notre bois aggloméré, je crois. Planche agglomérée, voilà. Et donc, on a fini notre quête. Notre quête qui nous donnera, ouais. Montrer à Berbe. Berbe nain. Je comprends pas si y a un jeu de mots avec ce nom. Je ne le comprends pas. Faut pas que je me fasse des chats, là. Non, faut que je me fasse des poissons. Les splitch et les splotch, là. Les plic-ploc et les grands splatch. Franchement, c'est non. C'est n'importe quoi. Hop là, niveau 9. Se mettre au travail. Ah! On va crafter la panne au boon. Ah, ça, c'est vraiment cool. On va pouvoir avoir notre premier stuff intéressant. Donc maintenant, je monte la force. 40 force. Et hop. Je monte la force et je monte mon sort principal qui est l'aventure. Allez, je viens de monter l'ATP, le rayon et le cadran. Le rayon, est-ce que ça augmente beaucoup les dommages? Ouais, quand même. On va l'augmenter. Dès qu'on peut, après, on montera le cadran. Ouais, parce que le cadran sans PO, c'est de la merde. Et après, l'ATP. Attends, le relance, il est combien? 6. Oh là là! Ah, c'est pas cool ça. Alors, ouais, je me demandais. Il y a une modification sur. Oh! Sérieusement? Ah non, intervalle de relance 3, ouais, le temps de relance est fixé à 0 quand. Ok, j'ai eu peur. Oh là là, j'ai eu très très peur. Bon, alors, le smesme. Recette 5 fer et feu intérieur. Purée du fer. Il faut du fer. T'es sérieux? Combien est-ce qu'on a de fer là? On en a pile poil 5. Bah tiens, bijoutier, on peut déjà le craft.
On va crafter notre premier item de la panoplie boon. Grande nouveauté. Oh purée, il faut plein de fer. Le smith moon plus 1, qu'est-ce qui donne de la. 6 agis, 6 force. Ok, on prend le plus 1. Surtout que le plus 1, on peut l'équiper. Oh purée, 4 force. Vivement que je sois forge mage. Enfin, un joyeux mage. Crée un bijou, crée un bijou. Pour ça, il faudra que j'ai fini mes quêtes sur un carnam. Fils d'un carnam, je sais pas comment on l'obtient ce truc. Allez hop, on court dans la mine en espérant que les gens n'aient pas tout bouffé. Oh yes, du fer. Du fer, du fer, du fer. Hop là, 5 fer, c'est parfait, ça permet déjà de crafter un item. Ouh, je suppose que... Oh yes, encore du fer. Puis on a de la chance là. Je suppose que les quêtes qu'il y avait avant la panoplie boon permettaient de crafter déjà au moins un item ou deux. En dehors bien sûr des ressources trouvables grâce au métier. Alors j'ai crafté mon plus 1. Le smesme, normalement j'ai ce qu'il faut. Le smesme. Ça, ça va. Le spamet, il faut quoi. Ça, j'irai looter. La caps lock. Ça, ça va. Le flood. C'est bon, donc en fait, j'ai assez de fer. Je regarde vite fait la dernière mine, parce que le fer, c'est visiblement une ressource assez rare. Voilà, bon. Alors, donc je vais aller crafter mon smesme. Smesme. Ce nom, je ne le comprends pas. Smesme. Ça fait penser au Hobbit. Quand il sort le phasme de sa bouche, il dit oh, je l'avais sur le bout de la langue, phasme. Et bien, c'est le smesme. Voilà. Le mec avait mis son collier dans la bouche en fait. Donc, je monte à 47 forces. Mon équipement me donne 7 forces. Et 3 dans tous les autres éléments. Magnifique. Hop là. Donc, l'item suivant à crafter, les incrustes. Il me faut des feux intérieurs. Purée, j'en ai plus. J'ai plus de feu intérieur. Non, je n'ai plus de feu intérieur. Donc il faut que j'aille sur la route des âmes et me faire des petits feux. Attendez, j'ai bien. Comme ça c'est mieux. Et là, par contre la PO est vraiment minable. Blitzkrieg, ça devrait aller du coup. Ouh, on commence à roxer. J'utilise plus souvent. Voilà, comme ça. Quel rox. C'est vraiment incroyable. Oh là là, le rox au niveau 9. Franchement, le changement entre les sorts qui tapent du 12 et... Oh purée, je suis un feu de joie. Je vais voir si je trouve un groupe plus conséquent. Là par exemple, je pourrais, mais je vais pas le faire parce que c'est un peu bête d'acheter ça. Les feux intérieurs, je pourrais les acheter si j'avais envie. D'ailleurs, je vais mettre l'idole. Voilà. Et je pourrais acheter donc si je le voulais. Mais je ne vais pas le faire parce que je trouve pas que ce soit... pas que c'est dans la logique de la série quoi. Surtout que je parie j'ai même pas l'argent, 335 kama alors que ça vaut 600 kama. En fait je suis très pauvre pour l'instant. Est-ce que ça le tue et à manger? Oh j'ai minimum forcément. Il vient par ici, tu vas me taper du 7. Oula, alors là, si j'avais la fuite, j'en ai une fuite parce que je savais qu'il allait me. Deux feux intérieurs. Donc j'ai de quoi crafter. Le plus sain. Les incrustes. Alors, est-ce que j'ai besoin d'autres feux intérieurs? Là, non. Les caps lock. Ah, j'en ai besoin de 3 en plus. Et ainsi que d'ortie. Faut plus de feux intérieurs. Là, il y en a pas mal. En même temps, on pexe lentement et pas sûrement du tout, mais on pexe. Crit! Oh purée, il a 50% de résistance.
Oh là là. Le tchal, un peu qu'on le fait, ouais. Attendez, mais j'ai bien mon arme de chasse équipée. Pourquoi je chope rien? Bim. Allez hop. Ce que j'ai looté, deux feux intérieurs. Il m'en manque encore un. Je vais faire ce groupe-là. Cette map, elle est bien. J'ai le temps de voir arriver les mobs. De les voir arriver, là je vais même pouvoir faire le challenge intouchable. Hop là, c'est cool, franchement, les secondes ajoutées. Hop là, j'ai mes feux intérieurs, j'ai tout ce qu'il me faut. Il me faut juste de l'ortie, il me faut un peu d'ortie. Je pense pas qu'il y ait des orties là-bas. Dans les champs, il y en a peut-être. Pas des orties par ici. Une petite ortie, c'est pas. Ah si, là. Je me disais bien que j'ai vu un petit changement sur en passant là-haut. Hop là, trois orties, je pense qu'il doit y en avoir un peu là-haut. Atelier bijoutier. Alors, je vais déjà me diriger vers l'atelier suivant. Alors, forgeron, non, mineur, paysan, hôtel de vente des ressources, atelier des alchimistes, des chasseurs, cordonnier et des tailleurs. Donc là, j'ai une marque là-bas. Y a pas des orties, y'avait une petite ortie là quelque part, non. Ah, Internet nain. Celui-là, il s'en allait. Ah, des papes de bouffetou et des pétales. Oh, niveau 11. J'ai le succès débutant. Et hop, niveau 12. C'est vraiment pour ça, c'est abusé. Et hop, 62 force. On monte le rayon obscur. Niveau 4. On aura bientôt le cadran de Xelor. Je montrerai le cadran et l'ATP un peu au fur et à mesure. Au cas par cas, je veux dire. Je vais essayer pour qu'ils aient à peu près tout le temps la même PO. Pour que je puisse invoquer le cadran et TP dessus. Enfin, TP, ouais, dessus pour pouvoir échanger avec un monstre. Pour pouvoir lui mettre l'état téléfrag. Comme ça, il se fait tuer. Il faut que je me procure une feuille, une ficelle pour Ignator. Oh, purée, je peux crafter deux spamettes et deux incrustes. Voilà, une spamette. Hop là, 8 vita, 5 intel, c'est pas le jeu parfait. Hop, les incrustes, 6 chances, 6 intel. 4 chances, oh allez, j'ai le minimum. Oh là là. Et le flood. 4 agi, 3 sagesse. Non mais t'es sérieux? J'ai fait j'ai minimum sur les deux, quoi. Allez, on met la coiffe. Hop là. Et on a la panobone. Non, il manque encore la cape. Parce qu'il me manque des orties. Il y a des orties par ici? Si, là. Juste devant. Parfait. Faut que je me fasse des grands splashs, des petits gloutes et des pipes. Oh. Est-ce qu'il faut que je les tue en un combat? Non. Donc je vais faire ça. Ah ouais, j'aurais dû crafter ma cape boon avant. Suis-je bête? Tchal versatile, c'est pas... Waha! Ah oui, ils ont... Ils sont motivés les mobs. Hein. Là, le grand splash. Ça. On va réussir à me taper, je suppose. Oh, j'aurais pu lancer un. Ouh. Et hop là. Il est mort. Donc il me manque encore. Pic bloc. Donc on coud, on va coudre notre. Caps lock 6 force, yes, j'ai parfait cette fois-ci. Enfin, un item, j'ai parfait. Donc, on a tout. C'est parfait, tout va bien pour l'instant. Alors, grand splatch, petit gloot, plic bloc. On va se faire le plic bloc. C'est la sillon, merci le mot, le nom. Je pense que si un jour c'est vérifié les noms, lui il verra changer de nom. Vous voyez que j'avais un pote, il s'appelait plus du gland. Et son nom a été changé. En plus du flan. La lettre d'avant. Alors, je pense que
Clutch. Si je me mets là, normalement j'aurai la PO. Ouais, j'en ai. Oh purée. Hop là. Le petit loot. C'était fort quand même. Hop là. Donc on a fait le coup d'épée dans l'eau. Il faut que j'aille voir le capitaine des Kerubim. Il faudra que j'aille voir le mec qui est devant là. Verbenin. Hop, niveau 13. Vous avez terminé, écoutez la suite, continuez à écouter. Se mettre au travail, le choix des armes. Ah, va falloir que je crafte une arme. Demi-baguette. Il me faut deux pains d'incarname, des boîtes fraîches, ça j'ai. Faut juste que je crafte un pain d'incarname. Donc quand je passe devant un atelier des paysans, je ferai mon pain d'incarname. Donc je vais voir ce cher monsieur qui m'a demandé de tuer des monstres. Hop là! Alors, un atelier des paysans, il y en a juste en dessous. Je sais pas si je peux crafter un pain d'incarname ou pas. On va voir. Non, je cuis. Action impossible. Merci, je sais. Oh, ils sont en train de crafter. Ah oui, la recette de la galette. Hop, j'en crafter un. Parfait. Donc pour ma galette, j'ai oublié, il faut que je me fasse des tofu. J'ai que un œuf de tofu. Il m'en faut 4. Des tofu, ils sont par ici normalement. Ouais. Faut que je me crafte ma baguette. C'est où le sculpteur? Sculpteur, c'est là. Un petit passage. Excusez-moi pour cette interruption. Donc je vais sculpter vite fait ma baguette et après je vais devoir arrêter là. Voilà, sculpteur niveau 2. J'ai crafté ma demi-baguette. Donc on craftera la suite. On continuera un petit peu toutes nos... Ouf, ton palichon, ouais. Toutes nos quêtes, enfin, et notre série en général dans quelques... temps. Je vais poster les vidéos, je pense une par jour. Je vais pas tout poster d'un coup, ça ferait un peu beaucoup. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre un like, vous pouvez mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette de ce début d'aventure. Et surtout, si vous avez des idées de règles à rajouter, eh bien n'hésitez pas, ça m'intéresse toujours. Et salut, bonne journée.